Bonjour, Mode d'emploi vous emmène à la découverte d'une entreprise de yaourt de Dordogne. Elle fête ses 30 ans cette année, il s'agit de Pêche à Loup, des yaourts au lait de vache, mais également au lait de brebis. Vous allez découvrir les coulisses de la production. Saint-Cyprien, une commune de 1500 habitants avec une laiterie installée depuis 1988 par Frédéric Villefer et Frédéric Pallier. Ils se sont rencontrés à l'ENIL, l'école nationale de l'industrie laitière à Surgères, en Charente-Maritime. Les deux amis ont décidé de se lancer dans la fabrication artisanale de produits laitiers sur le GAEC de Pêche-à-Lifour, d'où vient le nom Pêche-à-Loup, qui en est la contraction. Thomas Brozet, président de Pêche-à-Loup. Cette année, nous fêtons les 30 ans de Pêche-à-Loup. L'aventure a commencé en 88, ici sur les coteaux à Saint-Cyprien, sur l'exploitation laitière familiale de la famille Villefer. Et quelques années plus tard, ils ont construit cette laiterie où nous nous trouvons, donc dans la vallée, juste à côté de la Dordogne. Et petit à petit, ils ont commencé à diffuser leurs produits à travers toute la Dordogne, puis l'Aquitaine, le Sud-Ouest. Thomas Brozet a repris l'entreprise en 2014. Issu de la filière bio, il a décidé de la développer au sein de Pêche-à-Loup. Aujourd'hui, il produit 55% de yaourts en bio, contre 18% à son arrivée. Pour faire du bio, il faut du lait bio. Direction Sigoulès, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bergerac. 6h30, la traite commence pour Emmanuel. 60 vaches laitières à traire au naturel. Emmanuel Roux, éleveur à Biolay, en Dordogne. On est obligé de laver les mamelles avant de brancher. Et comme on est en bio, nous on utilise de la laine de bois, ça s'appelle. Autrefois on utilisait des produits. Et là, pour pas du tout qu'il y ait de produits, que la traite soit plus saine, c'est de la laine de bois, c'est un petit peu comme une brosse naturelle. Depuis 2010, il est passé en bio, ce qui lui permet de vivre de sa production. Chaque année, il produit 300 000 litres de lait qu'il vend à des consommateurs locaux, 465 euros la tonne. Pêche-à-Loup achète la plus grande partie de sa production. Donc on produit à peu près 300 000 litres de lait par an. On vend tout à Biolay. Et ensuite, Biolay, on revend ce lait à divers clients. Donc soit des gros clients, soit des clients locaux. Et là, on développe la vente de lait à des transformateurs locaux. Donc exemple, Pêche-à-Loup. Donc là, on a une partie de notre production qui part à la transformation vente directe. Donc notre lait bio part à Pêche-à-Loup pour faire la gamme de lait de yaourt bio. Ces vaches connaissent la prairie, l'air libre. Pour Pêche-à-Loup, le relationnel avec les éleveurs est important. Au total, ils prennent leur lait auprès de 11 producteurs de Dordogne, dont 4 sont totalement en bio. Et ton niveau de production là, avec les conditions météo de ces dernières semaines? Là, on a réussi à bien les maintenir jusqu'à il y a 2-3 jours. Et puis là, les productrices, on n'a pas pu les sortir là hier. Ouais. Donc on est repassé au foin. Retour à Saint-Cyprien, à la laiterie. La première étape de fabrication des yaourts est la pasteurisation. Le lait est chauffé à 80 degrés pendant 30 minutes dans des cuves d'une tonne de capacité. Pierre Ramin, préparateur chez Chaloux. C'est qu'on prend le lait cru tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'écrème pas, on ne standardise pas. On travaille avec un produit naturel. On lait. Si le yaourt est riche, on travaille avec du yaourt riche. S'il est, comme dans des phases actuellement de printemps, le lait est un peu moins riche en matière grasse, en matière protéique, on enrichit un tout petit peu, c'est de l'ordre de 2 à 3% en poudre pour stabiliser la fabrication. Après la pasteurisation, il faut mélanger avec des recettes secrètes pour attirer le consommateur avec des parfums originaux. Donc ici, nous avons mélangé du yaourt brassé, de la crème bio et de la confiture abricot miel pour faire un yaourt gourmand abricot miel laiterie du Périgord que nous vendons en magasin bio. La mise en pot. Chaque jour, ce sont 50 000 à 200 000 pots qui sont produits et qui sortent de l'usine. Aujourd'hui, Thomas Brozet insuffle une diversification avec de nouvelles recettes à base de lait différents. En plus des yaourts au lait de vache, nous avons développé des yaourts au lait de brebis bio, ainsi que des crèmes, des desserts. Crème chocolat, crème café et même panna cotta au lait de brebis.
Dans l'entrepôt réfrigéré à 4 petits degrés, une équipe de 3 personnes envoie 2000 à 4000 colis par jour, ce qui représente tout de même entre 7 à 8 tonnes. Pour les clients, qui se situent essentiellement dans le sud-ouest de la France. Je m'appelle Cyril Friconnet et je suis préparateur de commandes. Les clients sont la grande distribution, à savoir les plateformes Intermarché, Auchan ou Carrefour, mais aussi d'autres enseignes de type bio et les collectivités telles que les cantines scolaires notamment. Ces pots sont envoyés en cuisine centrale et les cantines de Bergerac peuvent en profiter. Ce midi, à l'école Lévor, c'est un repas local et bio à la fois, comme les cuisiniers essayent de le faire au minimum une fois par mois. Pour faire du yaourt, on va utiliser du lait, un petit peu de sucre et des ferments qui vont faire comme une digestion, enfin qui vont fermenter le lactose qui se trouve dans le lait et qui vont lui donner à la fois son petit côté doux et sucré, son petit côté acide et qui va lui donner de la texture. Un peu à l'étroit dans leur usine de fabrication, Péchaloux s'étend pour augmenter sa capacité de production. Frédéric Pallier, directeur industriel de la laiterie Péchaloux. Alors globalement, on a 1800 m² au sol actuellement. On va augmenter la surface de 600 m² sur la partie entreposage de façon à pouvoir agrandir la partie chambre froide intérieure. C'est-à-dire qu'on va se donner de l'aisance à l'intérieur. On va gagner de la surface sur la partie entrepôt actuelle. Et on externalise donc la partie entrepôt en construisant ce supplément de 600 m². Péchaloux est une TPE qui compte une trentaine de salariés. Le chiffre d'affaires est de 4,5 millions d'euros en 2017. Cette année, ils espèrent dépasser les 5 millions d'euros. Car Péchaloux, le yaourt de Dordogne, séduit de plus en plus de palais du sud-ouest de la France.